promised I worship you. Nous allons parler des lois auxquelles nous sommes tenus ou des lois qui nous dirigent. Et en général, dans notre société dans laquelle nous vivons actuellement, nous sommes soumis par des lois. Il y a des lois spirituelles, il y a des lois civiles. Et une loi, c'est l'ensemble des textes qui édictent des normes pour organiser la société. Et les lois, généralement, commandent ou interdisent quelque chose. Et elles sont, dans la société civile, les lois sont écrites par des députés. Mais nous, nous allons nous intéresser à la loi divine. La loi divine, à la différence de la loi civile, c'est une loi qui est écrite par Dieu et qui ne peut être abrogée. C'est-à-dire, cette loi personne ne peut la changer si ce n'est Dieu seul. Et à la différence de la loi de la société civile, la loi de Dieu n'a pas de frontières. Parce que les lois de la France ne s'appliquent pas en Côte d'Ivoire, les lois de la France ne s'appliquent pas en Angleterre, les lois de la France ne s'appliquent pas aux États-Unis, mais les lois de Dieu n'ont pas de frontières. Les lois de Dieu sont internationales, universelles. Les lois de Dieu s'appliquent dans quel que soit le continent. Et les lois de Dieu s'appliquent à tous les hommes. Quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton origine, quel que soit ton âge, la loi de Dieu s'applique à toi. À la différence de la loi de la société civile, qui est limitée dans le temps et par rapport aux individus. La loi de Dieu, elle, elle est universelle, elle n'a pas de frontières, elle s'applique à tout être humain. Et donc nous allons voir les lois de Dieu auxquelles nous sommes tenus. Pour cela, nous allons lire Romains 8, versets 1 à 17. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains 8 à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. Dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous êtes encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen.
Bien-aimés, au travers de ce texte que nous venons de lire, nous voyons qu'il y a deux lois qui se dégagent. Deux lois auxquelles nous sommes soumis. C'est la loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ces deux lois-là, c'est Dieu même qui les a établies. Et nous ne pouvons pas y échapper. Nous allons essayer de voir au travers quelle est l'origine de ces deux lois et quelles sont les conséquences que ces deux lois ont sur notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Alors, la loi du péché et de la mort. Le péché, c'est une transgression à la parole de Dieu. C'est une rébellion aux ordonnances de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Maintenant, nous allons voir l'origine de cette loi que Dieu a établie, la loi du péché et de la mort. D'où c'est venu? Comment c'est venu cette loi? Cette loi est née dans le jardin d'Éden, à la suite de la désobéissance d'Adam à la recommandation que Dieu lui a faite de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort. Adam n'a pas obéi à cette ordonnance-là, à ce commandement de Dieu. Il a mangé le fruit que Dieu lui avait interdit de manger. En ce sens-là, il a désobéi. Et le péché s'est installé. Le péché s'étant installé, il a découlé la loi du péché et de la mort. Parce que Dieu avait dit à Adam, si tu manges, tu mourras. Donc, quand il a désobéi, le péché s'est installé et ensuite la loi s'est établie dans sa vie. Parce qu'il a péché, il devait donc mourir. Donc, nous voyons ici la naissance de la loi du péché et de la mort. Donc, à partir de ce moment, tout être humain qui naissait était soumis à cette loi-là, était condamné à subir cette loi-là dans sa vie. Parce que nous sommes tous les descendants d'Adam. Et la désobéissance d'Adam nous accompagne à notre naissance. Donc nous sommes soumis à la même loi. Parce que nous sommes nés dans le péché, notre mère nous a conçus dans l'iniquité. Donc nous sommes soumis à la loi du péché et de la mort. Et le pouvoir de la loi du péché et de la mort s'applique à nous. On ne peut pas l'éviter. Parce que nous naissons aujourd'hui, nous savons qu'un jour nous allons partir. Nous allons mourir. Quel que soit le temps, nous sommes tous amenés à partir un jour. C'est la force de cette loi-là qui s'applique dans notre vie. Et nous voyons que nous ne pouvons pas échapper à cette loi-là. Elle s'applique à nous à cause de la désobéissance de la parole de Dieu d'Adam. Parce que Dieu lui a dit, si tu manges, tu mourras. Il a mangé et la loi s'applique à lui. Mais nous voyons que Dieu, il est souverain. C'est lui qui a établi cette loi-là. Mais quand nous voyons les Écritures, nous constatons qu'il y a eu des exceptions. Dieu a fait des exceptions à cette loi-là. Il y a certains hommes qui sont nés de femmes, mais qui n'ont pas connu la mort. Dieu a fait l'exception qu'on dit justement, il y a des exceptions qui confirment la règle. Donc il y a des exceptions dans la parole de Dieu qui ont confirmé cette règle-là. Il y a des gens, il y a des hommes de Dieu qui sont nés de femmes, mais que Dieu n'a pas permis qu'ils meurent. Il y a deux personnes qui ont échappé à la loi du péché et de la mort. Il y a Enoch. Nous allons le lire dans Hébreux 11:5. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux au verset 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, Enoch a échappé à la loi du péché et de la mort. Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, a épargné Enoch de la mort. Parce que Enoch était agréable toute sa vie à Dieu.
Élie, le prophète Élie, a échappé aussi à la loi du péché et de la mort. Et nous allons le vérifier dans 2 Rois 2, versets 5 à 11. Je lis la parole de Dieu en 2 Rois 2 à partir du verset 5. Le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre le fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une douce portion de ton esprit. Verset 10. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons que ces deux personnages de la Bible, ces deux grands hommes de Dieu, ont échappé à la loi du péché et de la mort. Cette loi qui a été établie par Dieu, par laquelle tout homme né de femme devait connaître la mort, à cause de la désobéissance d'Adam. Mais Dieu a épargné ces deux personnages de la loi du péché et de la mort, simplement parce que leur vie était agréable à Dieu. Ils réjouissaient le cœur de Dieu. À leur époque, c'était des hommes intègres. Bien-aimés, quand tu es au service de Dieu, quand tu sers Dieu, quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu peut changer les lois en ta faveur. Dieu peut amener les choses qui ont été établies à changer de nature pour que tu réussisses, pour que tu prospères. Parce que Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il peut changer les situations, il peut changer le temps, il peut arrêter le temps, il peut rendre la nature favorable à toi pour changer ta vie. Bien-aimés, nous voyons que ces deux personnages ont servi Dieu et sont montés au ciel sans connaître la mort. Bien-aimés, nous voyons que la loi du péché et de la mort, c'est Dieu qui l'a établie. Mais Dieu peut la changer. Quand il veut, il peut la changer et il veut la changer. Parce que c'est une loi qui nous condamne. C'est une loi qui vient de notre désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est une loi qui nous conduit à la mort. Non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Parce que quand on parle de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. Tu es mort quand tu es malade. Tu es mort quand tu n'as pas de travail. Tu es mort quand tu as faim. Tu es mort quand rien ne va dans ta vie. Tu es mort quand tes enfants sont dans la rue, dépravés. Tout ça, c'est la mort. Et c'est la conséquence du péché. Mais Dieu te dit ce matin qu'il peut changer cette loi-là. Il peut la changer pour toi. Et il veut la changer pour toi. Aussi, nous allons essayer de voir quelques conséquences de cette loi du péché et de la mort. En réalité, qui pêche? Nous allons le voir dans toujours Romains 8, verset 3. Verset 3, le B, nous allons voir. Verset 3B. Sinon, tu prends le début du verset, c'est pas grave. Romains 8, 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen.
Bien-aimé, Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné la désobéissance d'Adam dans la chair. Et nous voyons que dans le jardin d'Éden, quand nous regardons le film de ce qui s'est passé, de la désobéissance d'Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Satan est venu, il a fait une proposition. Il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on ne doit pas manger ce fruit-là? Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. Il a écouté avec quoi? Il a écouté avec ses oreilles. Ensuite, il s'est laissé séduire par cette parole-là. Deuxième chose, il a regardé le fruit avec ses yeux. Et quand il a regardé le fruit avec ses yeux, son cœur s'est dit, ce fruit est beau, certainement, on peut le manger. Donc, il a utilisé ses oreilles, il a utilisé ses yeux, il a utilisé son cœur, qui sont des éléments de sa chair. C'est pour cela que Dieu a condamné le péché dans sa chair, parce que c'est la chair d'Adam qui a péché. C'est pas autre chose. Et la chair, si vous voulez, c'est nos cinq sens. C'est nos cinq sens qui pêchent. C'est l'odorat, c'est lui, c'est le toucher, c'est le goûter. C'est nos cinq sens qui pêchent. C'est pour cela que Dieu a condamné le péché dans la chair. Parce que c'est la chair qui a péché. C'est les oreilles qui ont écouté, les yeux ont vu et le cœur a décidé de manger. Et c'est pour cela que Dieu dit dans sa parole qu'il a condamné le péché dans la chair, parce que c'est la chair qui pêche. Ici, la chair, dans ce cas précis, peut être associée au désir de l'âme. Parce que l'âme, c'est le centre de nos émotions. C'est le centre de commandement de nos désirs. Et l'âme décide quelque chose, et la chair, au travers de nos membres, exécute. Bien-aimé, Dieu a donc condamné le péché dans la chair, dans nos sens, dans nos membres, parce que c'est ceux-là qui ont péché contre Dieu. Et nous voyons qu'au travers de cela, les conséquences sont terribles. Parce que, en désobéissant à cette parole, en péchant dans notre chair, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Nous n'avons plus de volonté. Notre volonté, notre désir sont contrôlés par la loi du péché. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. C'est cette loi-là qui habite en nous, qui exerce son pouvoir sur nous, qui agit au travers de nous. Notre volonté est complètement anéantie, nulle. Et pour cela, nous allons le vérifier dans Romains 7, 15. Je lis la parole de Dieu en Romains 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Amen. Amen. On va continuer avec Romains 7, 18 à 20. Ce qui est bon, je le sais, n'habitant en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Amen. Bien-aimé, la loi du péché et de la mort enlève toute volonté dans toi. Tu n'es plus maître de toi-même. Tu veux faire le bien, mais tu fais le mal. Tu es le mal, mais tu n'arrives pas à faire le bien. Ça, c'est dû à la loi du péché et de la mort. Et c'est cela qui s'applique dans la chair de l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il a dit, cela. Il veut faire le bien, il n'arrive pas. Il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Il n'a plus de volonté. Sa volonté est contrôlée par cette loi-là. Cette loi a un pouvoir sur lui.
Cette loi le dirige parce que Adam s'est vendu au péché, a vendu sa chair au péché. C'est le péché maintenant qui domine sa chair. C'est le péché maintenant qui domine ses membres. Il n'a plus d'autorité. C'est le diable qui a pris la place. C'est le diable qui dirige sa vie. Parce que le péché est spirituel. Parce que derrière le péché, il y a l'esprit du diable. Parce que c'est le diable qui a mené Adam et Ève à pécher. Donc derrière le péché, il y a un esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de Satan qui domine dans notre chair. Donc, en subissant la loi du péché et de la mort, nous n'avons plus d'autorité. Nous sommes livrés au bon vouloir de l'esprit du diable, de Satan, qui fait de nous ce qu'il veut. Nous n'avons plus de volonté. On ne peut rien décider de nous-mêmes. Parce que cette loi-là nous accuse. Cette loi-là nous condamne. Cette loi de la désobéissance qui nous mène à la mort. Parce que si c'est Satan qui contrôle ta vie, bien-aimé, rien de bon ne peut arriver dans ta vie. Parce que Satan veut que ta mort, non seulement ta mort physique, mais ta mort, la mort dans tous les domaines de ta vie. On va continuer avec Romains 6, 16. Romains 6, verset 16, je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Bien-aimé, tout est dit ici. Quand tu obéis à quelqu'un, tu deviens son esclave. Et cette personne à qui tu obéis devient ton maître. Adam, en obéissant à ce que Satan lui a proposé, il s'est vendu en tant qu'esclave à Satan. Il n'a plus de volonté. Il ne peut plus faire du bien. Parce qu'il n'y a pas de bien en Satan. Il n'y a rien de bon dans Satan. Satan est le père du mensonge. Il est le père de tous les maux qui nous arrivent dans notre vie. Satan est notre ennemi. Parce qu'il sait que Dieu nous aime. Dieu nous a créés à son image. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous vivions. Mais Satan, lui, veut que nous connaissions la mort, la défaite, l'échec, la maladie, les tourments. Tous les maux que vous pouvez imaginer sur cette terre. Parce que nous nous sommes livrés en tant qu'esclaves à Satan. Nous sommes devenus les esclaves de Satan. Et cela se manifeste dans notre vie de tous les jours. Parce que notre volonté, nous n'avons plus de volonté. Nous faisons seulement ce que Satan veut. Les pensées qui nous propose, c'est ce que nous faisons. Nous sommes devenus son esclave, il est notre maître. Et nous affectionnons plus aux choses de Dieu, aux choses qui font plaisir à Dieu. Nous nous affectionnons aux choses qui font plaisir à Satan. Parce que c'est lui désormais notre maître. Mais Dieu, dans son amour, en voyant la souffrance, la captivité dans laquelle se trouvait l'homme depuis la désobéissance d'Adam, a voulu nous délivrer de cette condamnation, de cette loi du péché et de la mort qui pèse sur nous. C'est pour cette raison que dans le passage que nous avons lu, Dieu va élaborer une autre loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi-là qui va nous sauver, qui va nous délivrer de l'esclavage de Satan. Nous allons voir maintenant la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. L'origine de cette loi aussi, comme nous avons vu l'origine de la loi du péché et de la mort. Donc je disais que Dieu a décidé de créer cette loi pour nous amener à être libérés de l'emprise de Satan. Et cette loi a été créée quand Dieu a décidé d'envoyer son fils Jésus à cause de nos péchés dans une chair semblable à celle qui a péché, c'est-à-dire la nôtre, pour nous délivrer de cette emprise de la loi du péché et de la mort. Dieu a décidé de faire venir Jésus dans une chair semblable à la nôtre. Donc Jésus est venu en tant qu'homme, mais aussi il est venu en tant que Dieu. Il est venu en tant qu'homme parce qu'il est né d'une femme. Il est venu en tant que Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conçu dans le sein de Marie.
Mais à la naissance de Jésus, cette loi du péché et de la mort n'était pas abrogée, c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore annulée, elle continuait de s'exercer à la naissance de Jésus. Et Jésus, pour annuler cette loi-là, il avait une mission à accomplir. Pour que cette loi ne s'applique plus en nous, Jésus devait accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Jésus devait aller à la croix. Jésus devait donner sa vie pour nous en rançon à la croix. Il a fait. Nous voyons qu'à la croix, Jésus a souffert. Toutes les souffrances qu'on ne peut même pas imaginer. Avant même d'aller à la croix, il a été flagellé, battu, maîtris, sa barbe arrachée. Il a souffert l'humiliation. Lui, le Fils de Dieu. Pour nous délivrer de la loi du péché et de la mort. Il a souffert toutes les humiliations. On lui a craché au visage. Mais malgré ça, il a accepté d'aller à la croix. Il est allé à la croix. Il a donné sa vie à la croix. Il est mort à la croix pour nous délivrer de cette loi du péché et de la mort. Quand il est mort, la mission n'était pas finie. Il est descendu dans le séjour des morts. Christ, après sa mort, est descendu au séjour des morts pour évangéliser les âmes qui étaient en prison. C'est-à-dire du temps de Noé, ceux qui n'ont pas accepté Dieu, qui n'ont pas accepté d'obéir à la parole de Dieu, qui ont été détruits, qui ont été tués par le déluge. Nous voyons que Jésus, à sa mort, est descendu dans le séjour des morts pour aller prêcher l'évangile aux esprits en prison. Ceux qui l'ont avant lui n'ont pas accepté Dieu. Jésus allait les évangéliser. Il devait faire cette mission-là. Il devait accomplir cette mission-là avant de ressusciter. Et c'est ce qu'il a fait. Il est rentré dans le séjour des morts pour évangéliser. Pour que ceux qui sont morts acceptent, l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Pour qu'ils puissent aussi être délivrés de cette loi du péché et de la mort. Jésus l'a fait pendant 3 jours dans le séjour des morts. Et il est ressuscité le 3e jour pour que nous puissions être délivrés de la loi du péché et de la mort. Jésus est mort, il a souffert, il est ressuscité pour que toi et moi, nous soyons délivrés de l'esclavage, de l'emprise de Satan sur notre vie, de cette loi qui nous condamne, de cette loi qui nous mène à la mort. Dieu a voulu nous délivrer de cette loi en établissant au travers de Jésus, dans sa chair, la loi de l'esprit de vie qui nous libère, qui nous donne la vie, qui nous communique la vie, qui nous restaure et qui nous délivre de l'esclavage de Satan. Jésus l'a fait, il l'a fait pour nous parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous arracher de cette loi qui ne vient pas de lui mais qu'il a été obligé d'établir parce que nous avons désobéi à sa parole. Nous avons vu qu'il a changé la loi pour Enoch, pour Élie. Mais Dieu a décidé de changer la loi aussi pour nous, en établissant une autre loi qui, celle-là, est supérieure à la loi du péché et de la mort. Donc, en ressuscitant, Jésus vient de payer le prix. Le prix de notre péché. Le prix de notre condamnation. C'est pour cette raison que, dans le passage que nous avons lu, l'apôtre dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour nous. Parce que Jésus a payé le prix dans sa chair. Pourquoi il a payé dans sa chair? Parce que c'est dans la chair que nous avons péché. Et il est venu, il a donné sa chair en offrande, en sacrifice, pour que nous ayons la vie. Que la condamnation ne soit plus dans notre chair, mais lui dans sa chair. C'est pour ça qu'il est dit qu'il a pris nos péchés, il a pris nos offenses, il a pris nos iniquités, il a pris nos maladies, tout ça dans sa chair. Afin que nous ayons la vie. Afin que nous ne soyons plus malades. Afin que nous ne souffrons plus. Afin que nous puissions être dans la paix et dans la joie. Jésus l'a pris dans sa chair. La condamnation qui pesait sur nous. C'est pour cela qu'il n'y a désormais plus aucune condamnation pour toi. Parce que Jésus, par cette nouvelle loi, te donne la vie.
Jésus est merveilleux. Il est fidèle. Il t'a aimé avant le commencement. Il a donné sa vie pour toi. Il a souffert pour toi. Pour te délivrer de cette loi qui te tenait en esclavage, en captivité. Il y a une nouvelle loi maintenant qui s'impose à toi. C'est la loi de l'esprit de vie. La loi qui te donne la vie. Tu n'es plus soumis à la loi du péché et de la mort. C'est fini. Jésus a payé le prix. Satan ne peut plus se présenter devant le trône de Dieu pour t'accuser. Parce qu'il n'est plus là-bas. C'est Jésus maintenant qui est à la droite de Dieu pour être ton avocat. Satan ne peut plus se présenter devant Dieu pour t'accuser. Parce que Jésus a payé le prix pour toi. Quand Satan dit tu as péché, tu as tué, tu es allé voir le marabout, tes parents ont péché, mais que toi, tu as accepté le Seigneur, Jésus, comme ton sauveur, tu crois que par sa mort et par sa résurrection, il te donne la vie. Jésus qui se tient devant le trône de son Père, il monte à Dieu, il monte à son Père, ses maîtres sûrs. Il montre son sang qui a coulé. Il dit, Père, j'ai payé le prix pour lui. Il n'y a plus de condamnation pour lui. Il est désormais libre de toute condamnation de Satan, de toute accusation de Satan. Satan ne peut plus t'accuser. Parce que Jésus a tout fait pour toi. Il a payé le prix pour toi. Nous allons prendre Galates 3, verset 25. 21. Ah, on va commencer à partir du verset 21. Galates 3, verset 21. Je lis la parole de Dieu. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Verset 5. Au verset 22, mais l'écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Au verset 23, avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Au verset 24, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. Au verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Amen. Amen. On va continuer avec Romains 8, 9b. Ou bien on lit tout le verset, c'est pas grave. 9. Je lis la parole de Dieu en Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Bien-aimés, pour bénéficier de cette loi, de cette nouvelle loi de Jésus, la loi de l'esprit de vie, il y a des conditions. C'est pas gratuit. Il faut être enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut avoir la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Première condition. Deuxième condition, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Christ. Dans Galates 3, nous voyons que la condition, c'est la foi. Si tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur personnel, qu'il a donné sa vie pour toi sur la croix, tu crois qu'il est mort pour tes péchés, et tu crois qu'au travers de sa résurrection, tu peux avoir la vie, tu es enfant de Dieu. Dieu veut des enfants. Mais pour que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ s'applique pleinement dans ta vie, il veut que tu sois un fils. Et pour que tu sois un fils, il faut que tu te laisses conduire par l'esprit de Dieu.
tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier pleinement de cette nouvelle loi qui te délivre de l'esclavage, de la vie, du péché et de la mort. Si tu as la foi, ça ne suffit pas. Si tu crois que Jésus est ton sauveur personnel, c'est bon, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Parce que la loi du péché peut toujours s'appliquer à toi. Parce que n'oublie pas que la loi, c'est un esprit. Le péché, c'est un esprit qui est derrière. L'esprit qui est derrière, c'est l'esprit de Satan. Si tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel, mais que tu continues à désobéir à la loi de Dieu, mais tu n'es pas guidé par l'Esprit de Dieu, donc tu n'es pas fils de Dieu. Et tu ne peux pas bénéficier de cette nouvelle loi que Jésus a établie pour que tu aies la vie et pour que tu sois dans l'abondance. Tu ne peux pas bénéficier de cette loi-là. Bien-aimé, cette loi est très importante. Parce que si tu ne bénéficies pas de cette loi, si cette loi ne s'applique pas dans ta vie, tu es condamné non seulement à une mort physique, mais à une mort spirituelle. Dans la vie, dans ta vie, rien de bon ne pourra t'arriver. Tu vas tourner en rond. Tu vas faire tout ce que tu veux. Tu vas jeûner 40, 50 jours. Ça ne va rien t'apporter. Parce qu'il y a des lois, il y a des principes auxquels il faut s'attacher. Toi, soit tu es sous l'emprise de la loi du péché et de la mort, soit tu es sous l'emprise de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre possibilité. Pour bénéficier de cette nouvelle loi que Jésus veut t'offrir ce matin, il te demande de te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Oui. Amen. Amen. Jésus veut que tu le suives pleinement. Que ton cœur, ton âme, tes pensées soient sous son autorité. Parce que si tu es venu à lui, c'est parce qu'il veut te délivrer de l'esclavage que Satan avait sur ta vie. Avant que tu ne viennes à lui, tu étais esclave de Satan. Parce que tu avais vendu ta chair au péché. C'est Satan qui dominait sur toi. Maintenant que tu viens à lui, mais il faut que la différence soit claire et nette. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis. C'est noir ou blanc, c'est pas métis. Voilà. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas plusieurs chemins. C'est ces deux chemins. Bien-aimés, ceux qui ont l'esprit de Christ ressuscité ne sont plus esclaves du péché. L'esprit du péché qui les tenait en captivité n'a plus de pouvoir sur leur vie. Au lieu d'être esclaves de Satan, ils deviennent maintenant esclaves de Christ. Parce que l'esclavage, quand tu es esclave de Satan, ben, ta fin c'est la mort. Alors que quand tu es esclave de Christ, ta fin c'est la vie. Donc le choix est facile à faire. On n'a pas besoin de faire la Sorbonne pour comprendre ça. Parce que le péché a un pouvoir. L'obéissance a un pouvoir. La désobéissance aussi a un pouvoir. Quand tu obéis à Christ, tu es habité par l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ te délivre de cette loi du péché et de la mort. L'Esprit de Christ te conduit à la vie. L'Esprit de Christ qui habite en toi désormais fait mourir les actions de la chair et des désirs de la chair dans ta vie. Tu n'es plus dirigé par tes convoitises. Tu n'es plus dirigé par ce que tu vois, par ce que tu
tu entends, mais tu es dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu te donne la force de faire mourir les désirs de la chair qui sont en toi. Tu ne vis plus dans la crainte. Parce que Dieu ne t'a pas donné un esprit de crainte. Il t'a donné un esprit de vie. L'Esprit de Jésus-Christ rend témoignage à ton esprit que tu deviens enfant de Dieu. Quand tu es laissé, tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu deviens frère de Jésus-Christ. Quel privilège! Tu deviens le frère du Fils du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Cela veut dire que tu deviens aussi héritier de Dieu. Tout ce qui est à Dieu t'appartient. Il suffit que tu le revendiques et il te le donne. Bien-aimé, désormais, Dieu est avec toi dans ta vie de tous les jours. Maintenant, désormais, tu ne t'affectionnes plus des choses de la chair, mais tu t'affectionnes des choses de l'esprit. Et l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cet esprit-là qui a habité en Jésus, habite désormais en toi. Pour donner la vie à ton corps. La vie à ton corps, c'est-à-dire pour donner la vie à ton couple qui bat de l'aile. Pour donner la vie à tes finances qui sont asséchées. Pour donner la vie à ton corps qui est malade. Pour donner la vie à tes enfants qui sont dépravés. Pour donner la vie à tout ce qui ne va pas dans ta vie. Bien-aimés, quand on est guidé par l'Esprit de Dieu, on ne subit plus la loi du péché et de la mort. Nous sommes délivrés de cette loi-là. La loi qui nous guide maintenant, qui dirige notre vie, c'est cette loi que Jésus est venu nous donner. La loi de l'Esprit de vie, qui te donne la vie en Jésus-Christ. Conclure, retenez que dans cette vie, nous avons deux possibilités. Nous sommes dirigés par deux lois. La loi du péché et de la mort, c'est-à-dire la loi du péché qui va te conduire dans la mort, aussi bien physique que spirituelle, et la loi de l'Esprit de Jésus-Christ qui va te donner la vie, qui va ressusciter en toi tout ce qui était mort et qui va donner la paix à ton cœur. Ce matin, cet après-midi, Jésus te propose deux choix. Il te propose soit la vie, soit la mort. Que veux-tu choisir? Moving in our midst, I worship you.